there's a fire, burn the fire brigade. Help us, oh, tonight we are losing, losing this fight. Oh, help us, oh, tonight. Yo les gars, c'est Jerem Jim. Alors comme vous voyez en haut, bah, encore gros merci Mifto11, voilà, qui est, bon, bah, je l'avais pas encore dit, je crois un joueur iOS. Il a 40 000 de puissance de plus que moi, si les comptes sont exacts ou pas loin. 30-40 000, on est plus à 10 000 prix, arrivé dans les gros joueurs comme ça. Mais en tout cas, énorme merci. Alors bah du coup, il est passé top donateur, c'est assez ouf. C'est même carrément ouf. Alors, du coup, première partie. On verra ce que ça va donner. Bam, 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 bam. C'est complètement dingue. Bah là, par contre, mes pierres sont parties directement ici. Je suis à 177. Parce qu'il y avait l'offre où il y avait 25 pierres d'âme. Donc, on va se tester dans les événements à côté. De pouvoir débloquer, si possible. Oh lolo. J'ai comme ça, j'ai déjà le pacte profane. Ok. La Vanica, c'était pacte profane ou feu sacré, c'était l'un ou l'autre. Là, c'est vrai que les pactes profanes, ça fait mal de fou. Ça fait mal de fou. Après, avec feu sacré, ça fait tank de fou aussi. Après, par contre, j'ai un rempart 6 en badge, du coup, qui vont avec. Voilà, super. Bon, le Wendigo, ça va pas trop me servir, mais 300 pierres rouges, ça va me servir aussi. Oh, wow, 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 wow. Alors, par contre, j'ai pas énormément de place pour débloquer tout ce qu'il faut. Là, j'ai pas trop prévu à l'avance avant la vidéo, mais là, c'est complètement dingue. En tout cas, si, dans tous les cas, si j'ai pas les pierres d'âme dans les événements qui manquent pour le Lavanica, je vais les sortir de mon côté. Je vais les sortir de mon côté. Hein, voilà, si près du but et avec une offre de fou comme ça, il va falloir que je fasse quand même un petit tri là-dedans. 400, bon, tant pis, 400. Voilà, alors les événements qu'on a consommé, gagné, casser les œufs. On va casser les œufs, c'était pas des œufs familiers au moins. J'ai mon petit café encore parce que je viens de manger, après je vais au boulot, donc c'est pour ça que je ne peux pas faire de live ce soir. Mais bon, allez. Bon, carte de talent, non, il n'y a pas trop. 250 fragments, c'est cool. J'ai fait mes huiles de lave tout à l'heure, donc bon, après c'est grave, j'ai encore des coffres à ouvrir, mais on en a jamais trop. Là, j'en ai 130 000 de côté, plus que j'ai à ouvrir. Bon, j'ai quelques essences. Je peux peut-être le maxer. En tout cas, j'ai assez pour l'Evo 2, où je serai pas loin de pouvoir maxer. Si j'arrive à gagner des essences en or dans les événements, ce serait quand même bien, bien cool. Au pire, il va falloir patienter un tout petit peu. Je peux le mettre déjà 15 étoffes de chasseuse. Bon. Je sais pas si ça va permettre 15 pierres d'âme de Mahatma. Si tu débloques Mahatma, je serais pas contre. Hein. Tu peux la donner aussi au passage. Comme ça, je suis bien. Bah, moi, dans les héros, du coup, il va me manquer Mahatma, Azura et Lava. Bah, au pire, Lava, c'est dans la deuxième partie. Là, hein. C'est zéro chance. Non, je n'ai plus d'autres chances. D'accord. Jeu de points. Jeu de points, dernière fois, j'ai réussi à débloquer 30 pierres d'âme. Ça m'est déjà arrivé. Bon, par contre, pas au premier tour. Mais ça m'est déjà arrivé. En plus, il y en a 50 là. 50, ce serait ouf. 150 gemmes. Alors par contre, ça va peut-être pas faire beaucoup de tirages. Et si je peux avoir le talent conquête sacrée, ce serait bien aussi, tant qu'à faire, pour mettre sur le tornado pour commencer. Ensuite, je pense qu'il y a quand même pas mal de héros. Athéna, ça peut être cool aussi avec ça. Hein. J'ai vu les vidéos là. Athéna avec ça, ça peut être cool aussi, un conquête sacrée. Il faut voir d'abord le talent comme un remplacement de rempart. Voilà. Et en plus, ben, il y a le bonus de portée. Hein. Qui n'est pas spécialement négligeable, mais qui est en bonus. Voilà, il faut le prendre comme un bonus. Ouais, enfin, les IH, c'est toujours pas la crise. Hein. Non merci, j'espère que j'aurai pas de mérite non plus. Oh. Je veux pas des mérites, j'en ai assez. Ouais, non, bon, les pierres de lava, ça aurait été top. Là, je débloque les 50 là tout de suite et bam. Mais non, il y a eu que des IH, c'est quand même fou ça. Hein. Un dernier. Que des IH, troc de points avant que je sois vert, non ça va. Que des IH, c'est quoi cet événement avec que des IH? Changer d'attribut, ça j'ai pas besoin, ça pas besoin. Fontaine de fortune, il n'y a pas. Et cas de tenir, il n'y a pas. Ok. Du coup, ça fait bizarre que les événements soient si courts à faire. Changer d'attribut, jeu de points. Bon, bah c'est pas si grave. Comme j'avais dit que je ferai et je vais le faire, ben, y a la deuxième partie qui vient de mon côté. Comme ça, je le débloque. Voilà, c'est tout. On va pour là où on en est, on va quand même pas faire de chichi. 600. Bon, après, c'est aussi grâce à tout, à vous tous là, qui continuez de regarder mes vidéos et que ça continue de vous faire plaisir. C'est complètement dingue. On y va.
on y va. Par contre, je vais pas pouvoir le booster max tout de suite, mais bah, allez, du coup, je fais la deuxième partie. Je reviens de suite. Hop là, c'est reparti. Mini pause, échec de co, évidemment, parce que je suis repassé avec mon téléphone. Et là, ça brille en bas. Et là, vous voyez bien que ça brille en bas. Et si on regarde, qui brille en haut, la 202. On était quand même à deux pierres près. Alors, c'est pour ça que là, l'offre avec les 25 pierres d'âme était quand même bien tentante. Parce que, voilà, dans tous les cas, ça faisait 50. En deux fois, c'était 50. Mais par contre, s'il y avait les sacs, les doubles sacs de level 2, c'était des chances d'avoir 100. Mais avec ma chance que... Je sais pas ce que ça veut dire ce mot-là, sur ce compte-là en tout cas, sur le mien, c'était quasiment garanti d'avoir 10, 10 et 10, 10. Voilà, du coup, c'était encore la carotte, du coup. Voilà, ça c'était pas mal avec un pacte profane en plus échangé. Oui. Vous avez un nouvel héros, le Lavanica. Booyakasha, ça c'est trop, mais trop, mais trop, mais trop, trop bon. C'est trop, trop bon. Bon, dans tous les cas, ça va faciliter la vie, ça va prendre la tête, utiliser, hein, pas vendre, ok. Ça serait con quand même. Ok. Du coup, la nouvelle bébête, elle est là, elle est où là? Là. Eh oui, bah oui. Sinon, on avait un coffre de niveau 5 de côté, qu'est-ce qu'on a? Frappe l'étal 5, bah, tant qu'à faire. Non, absolument pas. Est-ce que j'ai pas de mes héros secondaires qui seraient quand même encore à 4? Je ne pense pas. C'est plutôt l'inverse en ce moment, mais du coup, il va falloir que je sorte un de ces 4, un héros secondaire. Dans tous les cas, je vais mettre pack profane hein, dessus, là, on va pas tortiller. Hein. Dans tous les cas, ce sera bien avec un gros rempart 6 en balles, ce sera une tuerie. Bon. Je peux pas faire grand chose avec ça. Destructeur, je l'utilise pas, mais ça m'embête quand même d'enlever un Revita 4. Hein. Mais dans tous les cas, on a les événements. Du coup, c'est reparti pour casser des œufs. On va casser la baraque, on va débloquer Mahatma. Ok, on va partir sur quelque chose de concret. Voilà, tout à fait. Allez, 150 fragments. En tout cas, gros merci encore, hein, Michto. Et puis à vous tous. Et à vous tous, sans vous oublier, sans vous... Je vais y arriver, je sais même plus parler à force. Sans vous oublier. Ça devient difficile hein. Quand t'es comme ça, t'es en mode joie comme ça devant une vidéo. Allez. 250 fragments, on va débloquer encore, je sais pas, des étoffes de chasseuse, ça serait cool, comme ça je peux encore l'augmenter un petit peu au niveau du skin. Allez, alors, bon, des fragments, ce n'est pas perdu, mais on peut peut-être avoir mieux là-dedans. Une carte de talent, ouais. Une carte de talent, ouais. Un pack de série d'équipement du niveau 4. Bon, c'est sympa. Coffre d'enchantement raffiné. C'est bon aussi, ça. Roche karmique niveau 2. Ok. 300 mérites. Non, toujours pas. Bon, on va essayer d'aller de l'autre côté. Hein. Il y a du talent à débloquer. Si on peut avoir conquête sacrée, ce serait cool. Les paires de lava maintenant, c'est du taille, ouais. Mais il y a Mahatma et il y a des écussons là de pacte profane là, je vois. Ça peut être cool aussi ça. Carte de reprime 2, c'est bien, mais il pourrait mettre que du 3 partout hein, pour maintenant. Ok, les IH, mais c'est une blague quand même. Hein. C'est vraiment le pire lot de consolation. Pack de fragments niveau 3, bon ça me va. Ça me va. Ok, non, les mérites. Non. Pack de fragments, ok. En tout cas, j'ai assez de gloire aussi pour mettre son talent à fond de bloc. Ça, c'est bien ça. Bon, on va partir sur un pacte profane, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je vais m'en occuper demain, là, ça va être un peu short le temps de faire le montage de la vidéo, en tout cas, la mettre au bon format. En tout cas, encore merci à vous tous et à Michto. Voilà, en plus, passer top donateur là, c'est ouf. Bah, du coup, changer d'attribut et gagner. Oh, est-ce que je pars une Evo quand même? Et je fais ses attributs, comme ça je gagne. Je suis dans l'événement. Ouais, je vais peut-être faire ça quand même.
Ça fait 2 talents pack trop profane et encore un rempart 6. Oi 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 oi. C'est ouf, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Bon, on va utiliser ça tant qu'à faire. Allez, bam les 6. Par contre, bah moi je crois pas qu'elle est dedans. Non, 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 toujours pas. C'est de la folie. C'est de la folie. Et ça, dans les niveaux 2, c'est pas dingue. Hein. C'est pas forcément tout le temps dingue. Voilà, le revenant. Mais oui, on en avait totalement besoin. J'ai que 1200 fragments là-dedans. Oh, oh ça c'est bien. Ça, ça c'est. Oh. Voilà, les épreuves oubliées, il va falloir que je m'y remette. Hein, maintenant que je suis un petit peu équipé. Du coup, pour mon gardien, ça c'est bien ça. Oui, ça va me ruiner en. Ah non. Oula, il faut commencer à avoir du gros niveau là. Il faut 234 pierres. En tout cas, les niveaux 33. Wow. Et le. Mais les autres sont quand même niveau 29. Hein. Mais là, là, ils sont. Le sort est niveau 7 et là, niveau 6. Oh, et ça a seulement mis son. Sort au niveau 7 d'être niveau 33. Ouais, inflige à 4 héros ennemis des dégâts équivalents à 34% de leur PV max. Ça commence à faire beaucoup là. Hein. À 4 héros. Les autres, c'est à 3 héros. Non, c'est à 4 héros aussi. Ok, ok, ok. J'ai rien dit. Augmente le taux de précision de 4 héros et lui accorde à 3 héros d'années alliés l'immunité contre étourdissement et augmente leur attaque de 40%. Vitesse d'attaque de. Oh, ça fait beaucoup quand même. Un hein. Taux critique de 32%. C'est vrai que pouvoir faire des combinaisons là-dedans, ça commence à être sympa. Hein. Mais c'est pas toujours évident. Il suffit que tu places Sirenia et boum, ça y est, tu casses toute ta formation. Ouais. Ouais, bon là il est 45, je peux foncer sur l'Evo 1. Ouais, le sort, on peut voir tout de suite le sort. Allez, bam, niveau 8. Ah, presque niveau 9. Oh, sans utiliser de fragments, c'est pas si mal. On verra demain hein, pour la suite. Bah, là on va partir sur un pacte profane. Hein. Aïe, je sais pas s'il y en a qui ont testé. Enfin, oui, si, il y en a qui ont testé les deux. Ça, c'est forcément ouais, obligé. Il faudra que je demande à Kendris aussi. Dogfile il a testé aussi le pacte profane et on peut faire le tout dernier donjon en solo. Le tout dernier donjon. On peut le faire en solo avec lui. C'est complètement dingue. Il était curieux d'avoir vu ça. Il a essayé et ça marche aussi. Bon, c'est vrai que du coup, ça le rend un peu plus fragile dans les moments où il n'aura pas sa protection. Mais il va faire tellement mal entre temps qu'il faut déjà pouvoir arriver jusque-là. Alors, du coup, on va augmenter son expérience. Ouais, si. Allez, par contre, on va quand même manquer d'or. Je pense que j'étais en train de regarder au niveau des livres que j'avais de côté. Mais sur... J'ai qui ? Spirita. Voilà, tout à fait. Je cherchais son pseudo. Allez. Je l'ai bientôt mis à 195 je crois. Du coup elle est pas encore à 200 non plus. Donc je vais pouvoir débloquer pas mal de livres. Ça devient intéressant. Voilà les livres verts. On en a un paquet avec toutes ces quêtes là. Ça commence à faire bobo là. Non je veux pas acheter de l'or non plus comme ça. Sans déconner. Allez go go go. Oh, c'est ouf quand même. C'est ouf. Ouh il est riche monsieur. Il est riche. Ça c'est bon ça. Ah oui, si tu ne sors pas au moins la chasseuse, ça va pas aller. Hein. Ah, il y en a une aussi en face. Ça pourrait éventuellement me faire un petit bobo. Non, ça va, tout se passe bien. Allez, par contre, on va enlever la... Ouais, elle, on va mettre... Ouais, Mino, mais bon, lui, ouais, Mino aussi, il est cool. Là, je l'utilise un peu plus maintenant, mais... Allez, elle a fait zoom arrière. Hein. Qu'est-ce que tu fais, là? Allez. Non mais sans déconner d'aller au travail ce soir alors que tu viens de débloquer le dragon, c'est les boules là, tu pourras pas encore le maxer, non. Allez, c'est que partie remise, hein. Ce sera pour demain soir. Par contre, les lives, à moins de peut-être ce week-end encore une fois, mais en pleine semaine c'est chaud. Hein. Sinon en pleine semaine, ce sera en milieu d'après-midi, le soir il y aura aucune chance. J'étais bloqué à combien là? J'étais pas encore pour mon 5 millions d'heures là. En plus, c'est même pas encore pour le 5 millions d'heures. Oh là là. Bah voilà, ça en fait que 27. Ça en fait que 27, entre guillemets. Hein.
Un là, et si j'utilise un max de verre, 2000. Il me reste encore 3000 verres. On va faire comme ça, plutôt, on va faire comme ça, on va pouvoir l'évoluer et les changer ses attributs. Il nous faut quelqu'un avec un minimum, oui, voilà, là il y a un minimum d'or quand même, hein. Ça va pouvoir... On va pouvoir partir avec 1 million. Ne mourrez pas quand même, hein. On va pouvoir partir avec 1 million d'or en comptant le bonus de fin. Ouais, sa chasseuse, elle est pas mal, hein. Elle est à la fin. Le wall là, il a dû se prendre un garde enflammé là. Mais c'est quoi ça? Ah ouais, non, c'est la dèche là d'un coup, oui. Allô? Est-ce que l'Etika est mort? Est-ce que l'Etika il est mort? Allez là, au pire on s'en fout des derniers bâtiments, on va pour 1%. Allez, 1 million. Aïe 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 aïe. Mais tu... Pouvoir sortir le minot. Ous. Voilà. On a pu... Ouf. Il est combien là? Là il n'y a pas de gros héros non plus. Enfin si, mais... On va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Bon, bien sûr, en gelant un petit peu tout ce qui se passe, hein, s'il faut. Mais le minot est déjà mort. Bon, tant pis, il n'a pas eu le temps de déclencher. Mais en théorie, on va pouvoir repartir avec le plein. Ça devrait être juste bien. Voilà, tout à fait, les comptes sont ronds. Hop, c'est parfait, comme ça on va pouvoir l'évoluer, améliorer, ok, évoluer. Bon, non, pas de carte, on va mettre des fragments, de toute façon ça c'était prévu. Cool, alors du coup on va pouvoir partir sur les attributs. Augmenter niveau, ça c'est fait, il y a des petits détails, hein. Ça, augmenter niveau c'est plutôt facile, hein. Faut mettre des livres dedans aussi. Pas besoin d'en mettre autant je crois pour ce qu'il me reste à faire si. Bah non, je suis arrivé au niveau maximum. On va compenser avec ça parce que je n'ai pas de carte de côté. Voilà. Ça c'est bon. Attribut. Voilà. Par contre, là, il faut du full esquive. Mais full esquive. Voilà. De toute façon, il ne faut pas passer par 4 chemins non plus de ce côté-là. Oui. Ouh, esquive 5. Ça démarre bien. Bon, là, j'ai mon téléphone qui va pas de faire. On va le mettre de côté. Esquive 5. Après, en attribut, je sais pas. Enfin. Ouais, si, mais plutôt en compétence dans son équipement. Voilà, tout à fait. Dans son équipement, je ne sais pas exactement ce qu'il lui faut. Va falloir que je me renseigne plus précisément. On va garder le 4 dans le doute. Mais bon, c'est vrai que l'idéal, ce serait d'avoir du 5 partout. En plus, il décoche la case à chaque fois. On va pas y arriver. Ça va être technique, ça. Hein. Ça va être technique. Hein. Oh lolo, il y a encore du 5. Ça, c'est bon, ça. Il commence à y avoir beaucoup de 4. Bon, 4 c'est super cool, mais on va essayer de. On a un bon stock de gemmes, on a un héros de folie. Donc, si on peut se sortir du 5 au fur et à mesure, on va faire comme ça. On va faire comme ça, on va chercher les niveaux 5 quand même, hein, pour ce héros, parce que là c'est pas négligeable du tout. Critique. Encore un niveau 4. Non, niveau 5, allez mec. En plus, il y a l'événement des attributs, donc il faut en profiter. Il faut en profiter. Allez, attaquer. C'est vrai que ça peut être ouf aussi sur lui, mais bon, niveau attaquer avec son pacte profane là que je vais lui mettre demain, ça va faire très très mal. Allez là. Il nous faut de l'esquive. C'est dur à voir, hein, les bons trucs, à moins que t'as une chance de fou dès le début. Là, je suis arrivé avec 2 niveaux 5. J'y ai presque cru. Le niveau 4, là, je le garde encore de côté dans le doute. Et je vois plus d'esquive là. Qu'est-ce qui se passe? Non, attaquer 5. Oui, bah, ça pourrait être sympa. Mais non, je veux de l'esquive, mec. Je veux de l'esquive, mec. Allez là. Esquive 3. Non, on n'est pas gagnant là. Là, attaquer 4 non plus. Allez, esquive. C'est chaud ça, hein? Bon, c'est que 200 gemmes à la fois, que, entre guillemets, hein, je sais bien. Mais ça ne vient pas. Allez, j'ai encore des gemmes, de toute façon, 52 000 de côté. Ça, c'est ouf quand même, des stocks pareils. Ah! On y arrive, on y arrive. Bon, ça nous fait 3 esquives. 5, ok. J'ai débloqué l'autre, hein. Par contre, le niveau 4, on va rechercher du 5.
Voilà, comme ça c'est 200 et pas 450 aussi à chaque fois. Allez, esquive 5. Maintenant reviens toi. Allez. Esquive 5. Ah, critique 5. Oh, c'est dommage, ça fait presque du 5 partout, mais c'est pas ce que je veux. Non, non, non. J'essaie de regarder si je douche pas, hein, parce que si j'en passe à niveau 5, je vais être vénère. Vénère. Ça va être la folie avec ce héros après. Muy bonita, hey. Allez, esquive 2, ça c'est nul, ça par contre. C'est vraiment pas suffisant. Esquive 3, non. Le esquive 5, là, on arrête. Et franchement, il y avait des... des screens dans le groupe là. Oh là là, encore esquive 5. Ça c'est bien ça. On y arrive. Tout doucement, on y arrive. Non, niveau 4, je veux pas. Je veux niveau 5. 2. Non, ça réduit là. Ah, 4. Hein. Il y a moyen de sortir le 5. Moi, je veux du 5. Ce héros là, il est tellement ouf. Alors, on pourrait être 5 complet. Ça serait bien ça. Ce héros, il est tellement ouf. Je veux du 5 partout. Esquive 3. Ou alors s'il y en a 2 esquives 4, esquive 4 qui arrive, allez, pourquoi pas. Non. Aïe, 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 43 000 gemmes encore restant. Ouh, oui, esquive 5. Bon, allez, ça c'est un peu ouf, mais on va essayer quelques tirages de ce genre-là. Attaquer, ouais, tant pis, c'est un peu abusé. La fin coûte cher quand même, hein. Mais bon, ce héros il est tellement dingue que bon. Allez, même un petit esquive, ça m'irait. PV. Ouais, 15 000, c'est pas grand chose pour lui, 15 000 PV. Hmm. Résistance critique, non. Ah, c'est une coûte une plainte, ça. Il y a plein de gens qui vont me traiter. Ouais. Ou pas. Oh, c'est la coup. J'arrête ici. Ok. Donc lui il est bien. T'imagines, je me suis trompé de héros. J'ai mis tout ça sur je sais pas, sur Rubit. Et Cabanon, j'ai des... ça, hein, augmente attaque de 15%, réduit. On va mettre ça en attendant. Et du coup dans l'événement, qu'est-ce que j'ai gagné? Consommer, gagner. Voilà, j'aurais dû en gagner pas mal. Échanger d'attributs. Voilà, bon bah c'est cool, on va pouvoir se laisser ça. En tout cas, merci encore à tous, à tous, à tous, à tous. Et bah du coup, bah, on continue, hein. On continue l'aventure. Oh là, il y a des cartes d'enchantement. Par contre, l'enchantement... je sais pas exactement ce qu'il lui faut. Je sais pas exactement ce qu'il lui faut. Je vais penser plus de gemmes. Ouais, c'est une blague, quoi. Collecter... collecter. Ah, je peux encore changer de nom. Allez, je peux mettre pigeon 59 tranquille. Bon bah tout ça on verra demain là, parce qu'après ça va être oh là 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 là. Oh là 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 là. Est-ce que je peux, est-ce que j'ai assez de place pour tout collecter au moins? Pff, oui. C'est dingue ça. Oh là là, je... esquive 5 partout. C'est ouf, moi j'ai bien fait de tenter. Ah, je repense aussi à quand... non, mais quand on me donnait des conseils, il me dit, mais si, à chaque fois il me répétait, mais va jusqu'au bout, il faut pas du 4, il faut du 5. Je lui dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible pour moi. Mais bon, voilà quoi. Ça, ce fut avant. Encore des fragments ici, d'accord, 1000, c'est pas trop. C'est du délire. Là, 50. Ouais, ouais, ouais. Une pierre d'âme de Skeletica. Et de Rokno aussi. Pour Rokno, ils auraient pu faire un effort. Le Skeletica, entre guillemets. Bon, allez, c'est un gros héros. Mais une pierre d'âme de Rokno. Aïe, aïe, aïe. Tac, 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 tac. Ouais, non, c'est pas ouf. Là, c'est des héros d'event. Ouais, c'est dingue, toutes les récompenses, là. Ok, 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 ok. Ça fait plaisir de fou. En tout cas, ça fait un boost de dingue. Et bon, je suis parti pour Pacte Profane. Je peux encore monter, je le monte demain. Voilà, tu vois, histoire de faire durer le plaisir de monter ce héros, tu vois. Ouh.
pack de série de détection niveau 5. Et c'est Selimen. Brûlure. Et roue de Hob. Non, mais roue de Hob. Non. Ok, bon, là, c'est du niveau 4. On verra ce que ça donne. Niveau 4. Ça peut être du bon. Ah ouais, non, c'est des exécutions aléatoires. Autodestruction, merci. Roue de Hob, non, merci. Bon, ça prend encore des ressources. Ok, donc j'ai encore des 15 essences. Et en fragments de côté, il me reste 116 000. Donc je peux faire niveau 2 avec 60 000 fragments. Et voilà, voilà. Sur Chasseuse, quel talent as-tu ? Oh non, mais comment peux-tu encore demander ça avec le nombre de vidéos qui existent sur Chasseuse et que j'ai faites ? Non mais, hé hey. Du coup, on se dit à très vite. Et bonne soirée à tous. Et moi, donc, je suis bientôt parti pour le boulot. Allez, tchuss !